Salut tout le monde, c'est Paoletta, c'est écrit sur la chaise de toute façon. Tu vois, quand je me joue à ça, je me dis, je suis quand même devenu. Bon, c'est pas encore Hollywood Boulevard, mais c'est. Non, c'est de la merde. Non, plus sérieusement, salut tout le monde, c'est Paoletta, on est le mardi 25 février, qui dit mardi, qui t'entends pas ou quoi? T'entends pas cette douce mélodie là? Et ouais, Ligue des Champions, forcément, c'est les seuls jours où je suis réveillé aussitôt, je vais pas vous mentir. Il est très tôt, il est 6h30. Avant de faire la valise, avant de faire tout ça, on va aller se faire une petite séance de sport ensemble. Commencer cette journée un petit peu de sport, ça va pas faire de mal. Qu'est-ce que on a reçu les mecs, les poteaux de Prozis nous ont envoyé un gros gros colis. Alors il y a du gainer, il y a du big shot, bien sûr vous connaissez le big shot pour se requinquer quand on est un peu fatigué, c'est très très bien, ça tombe très bien parce que c'est le cas. Les gants, parce que c'est dos aujourd'hui. Et moi j'ai des. Ouais, si j'ai. Non, en fait c'est pas que j'ai des mains de fragiles, c'est juste que quand je caresse ma meuf, tu vois, et que j'ai des croûtes sur les mains, je sais pas si on voit là, t'as des croûtes comme ça, ta meuf tu lui caresses les cuisses, ça devient un supplice pour elle. Et là dans les commentaires, il y a forcément un qui va dire mais Son Goku il s'entraîne sans gants. Ouais, moi je sais pas faire le Kamehameha, connard. Big Shot, ça va nous servir. Ceinture, ça peut nous servir aussi. Est-ce que je suis en train de vous caler un placement de produit? Totalement, je suis devenu partenaire avec Prozis, les mecs, vous avez 10% de réduction avec le code PFUB10 sur leur site. Allez-y, vraiment, moi j'ai toujours commandé dessus. Vraiment, même avant d'être partenaire avec eux, je commandais déjà dessus. Tout ce qui est prise de masse, sèche, compléments alimentaires, BCA, créatine, tout, vous avez vraiment le top du top dessus, moi je vous le conseille vraiment. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse et vous m'en direz des nouvelles. Je vois son reflet, même plongé dans le noir. Je prends 10 ans ferme, rien n'est trop pour toi. Je te fais timer, peut-être la dernière fois que je te vois. Ah. Regardez qui je. Oh, regardez qui je croise. N'aie crainte. N'aie crainte. Je te tends cette potion. Tu vois Astérix? Wow. Oh, je t'ai fait peur. Je sais que je suis balèze, mec. Ça va. Wow. On se fait une bise. Oh, t'es mimi. Hein. Ah, désolé, je m'excuse. De quoi peux-tu avoir peur? Un athlète, pareil. Et là, tu sais que là où on s'entraîne, c'est une salle familiale. Donc, s'il te plaît, en ces temps qui courent de coronavirus, ne serre pas de main. Coach, quelle séance aujourd'hui? Bah, moi je vais faire pec les gros. Ils sont déjà assez gros. Oh, 1000 ensemble. Je me force à faire les dos, les dorsaux, les dorsales. Le grand dorsal. Donc on s'équipe d'un gilet par balle. Bonjour. Bonjour. En vrai, c'est merde. Hein. De quoi? Ah ouais? C'est pour ça? Bon. D'accord, je crois qu'il nous a sorti des beaux écouteurs noirs. Je crois pas Apple, ils vendent des écouteurs noirs. Hein. C'est pareil. Oh, tu peux raconter une histoire? Alors, on a un ami à nous. J'espère qu'il la gardera pas. Il a acheté un iPhone pour son petit frère. Et du coup, je fais waouh, lourd, iPhone 10, putain, t'es chaud et tout. Et je dis ouais, regarde l'état de ta batterie et tout. T'as vu, regarde, tu peux voir ça maintenant. Je savais pas avec la mise à jour. Et quand t'as l'état de la batterie à 100%, c'est qu'il est neuf. Ouais, voilà, c'est qu'il est neuf. Et là, je vois quoi? Je vois 92. Je dis, mais. Tu l'as eu quand ton iPhone? Mon grand frère, il m'a acheté une semaine, tout neuf. Ah, j'ai compris tout de suite, donc j'ai pas parlé, je voulais pas décevoir le petit. Non, le grand frère, il a annoncé direct, il a dit, oh, je l'ai pris d'occasion, fais pas chier. Hein. C'est pareil. Oh, c'est pareil, fais pas chier. Un bel homme des îles. Ah, d'accord, assiste, wesh. D'accord, wesh. Et non, madame m'emmène à l'aéroport, elle n'est pas du voyage. Donc il y en a qui seront contents parce qu'il y en a qui t'aiment pas. Voilà. Il y a toujours des haters sur internet. Bah oui, c'est sûr. Je t'abandonne pour qui du coup? Pour un abonné! Bah oui, les abonnés c'est important. Je vous cache pas, j'ai pas le trac hein. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que l'abonné il est cool. On a un peu discuté avant. Il a mon âge donc ça va. Ouais, il aime bien le foot, ça doit le faire. Hein. Je vais ramener le drapeau du Maroc dans les tribunes, je lui dis oh calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Non, plus sérieusement, ça va être ma première vidéo avec un abonné. Je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Bon, j'ai déjà croisé des abonnés dans la vraie vie, j'ai déjà croisé des abonnés en vidéo, je sais pas. Mais dans la vraie vie, puis c'est pas juste un abonné, on va se checker, tu vois. Il va dormir dans la même chambre que moi quand même, tu vois. C'est pas. Mais bon, on a commencé à discuter un peu. C'est un ch'ti, c'est un mec du Nord, il a un accent, laisse tomber. Enfin, en vrai, je sais pas. Hein. J'espère qu'il a pas un accent, tu sais, comme dans les films. Comme dans Bienvenue chez les Ch'tis. Bah, franchement, tout le moment, c'est Danny Boone. Et donc, comment a-t-il fait pour gagner ce privilège? Bah, il a téléchargé PFUT. Franchement, je sais pas si c'est un cadeau quand même de gagner un week-end avec PFUT. Je sais pas si c'est vraiment un cadeau pour lui. Parce que t'as vu, il y a PFUT. Il est sympa à regarder sur YouTube, mais à supporter dans la vraie vie. Lui, il sait pas encore ce qu'il attend. Ouais, grave, il sait pas ce qu'il attend.
totalement un Marocain sauvage. Oh, les Marocains, vous gagnez rien au foot. Gagnez un tirage comme ça. Ah non, vraiment. Arrive à Madrid, t'as l'impression qu'il fait 25 degrés. T'as chaud, t'as trop chaud même. Il fait beau, tranquille. On va totalement localiser avec le P, on dirait. On dirait bien le P, hein. En personne. Je l'ai devant moi, je l'ai tout à fait devant moi. Ton Uber est là, pute, qu'est-ce que t'attends? Totalement arrivé à Madrid, c'est le même hôtel que l'année dernière pour les suiveurs, les mecs sont là depuis toujours. Qu'on avait pris avec Dacour l'année dernière, qu'on était venu pour le Classico en coupe, je sais pas si vous vous souvenez. C'est le même hôtel, sauf que la meuf à l'accueil nous dit quoi? On arrive, elle nous dit ouais, par contre pendant un ou deux jours, vous avez une petite chambre avec un lit. Je dis ouais, mais on n'est pas, voilà, on respecte, hein, y a pas de souci, mais on n'est pas homosexuel. Donc on a besoin d'un lit séparé. Elle dit malheureusement c'est pas possible. Donc vous allez avoir un lit, et c'est même pas un grand lit. Il y a une heure et demie, je connaissais pas l'autre qui a un accent à coucher dehors, voilà, parce que vraiment l'accent ch'ti c'est pas possible. Et là je vais me retrouver à dormir à côté de lui. Inviter des abonnés, sérieux, c'était quoi cette idée? Rendez-moi ma caméraman. Lui il y a 15 minutes, je connaissais pas Péfut. Il est 20h40, la Ligue des Champions commence dans 20 minutes. Ouais, vous voyez la PLS? C'est ça. Lui, il va se réveiller pour le match de demain. Ah, quelle compétition incroyable! T'as encaissé ce soir ou pas? Antoine Griezmann et Bayern, mais c'est qui qui a... Quel farfelu aurait misé sur ça? Attends. Péfut Pro. Antoine Griezmann? Ah, merci à Péfut Bruno, il nous a tout dit. Combien ça coûte la visite? Pour le match? Ah, c'est cher. C'est très cher. Très très cher. 500 euros. Ah, un peu moins. 300. Ouais. Oui. Ah, demande un peu plus, tu vas te dire. T'inquiète. Ouais. Je dois travailler tous les mois. Ah. Ah. Un mois. Faut télécharger. Allez faire un peu de sport pour bien commencer la journée. C'est parti. Basic Fit, c'est les barrières d'une prison. Je vais frauder fort. Il y a un abonné, il m'a envoyé sa carte. Moi, je suis pas chez Basic Fit. On va voir si ça passe, hein, on espère. C'est génial. C'est encore meilleur quand c'est gratuit. Faites du sport, les gars, c'est important. Dans une journée, il y a 24 heures. Vous avez forcément au moins 40 minutes par jour à consacrer à ça. Vous verrez, une fois que vous aurez pris cette habitude, vous ne pourrez plus vous en passer. Ce sera comme une drogue. Mais c'est une drogue positive pour le coup. Bon, les gars, le Marocain s'est réveillé. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit ouais, t'es sérieux? Tu m'as pas réveillé, nanana. C'est un ouf, lui, il a cru que Péfut c'était son daron, il devait le réveiller en plus. Hein? Non, Péfut c'est pas ton daron. T'as bien dormi, mec. Mec, t'as bien dormi, en plus tu ronfles. En plus tu ronfles. Bon, la salle, il y avait des paquets. C'est vrai? Deux bras sur le côté, hein. De Bruyne, attention ce soir s'il est rouge. En vrai, cette équipe, c'est l'équipe qui a sorti le PSG, non, celle-là? Oui, c'est l'équipe qui a sorti le PSG. Ouais. Voilà, votre club, c'est une fraude, c'est juste parce qu'il y avait lui. Dès qu'il est plus là, ouais, il a le dégradé de Péfut. Putain, le plus honteux, c'est que vraiment, le mec, il a gagné un tirage au sort pour aller voir un match du Real, il est vraiment pour le Real. C'est genre, vraiment, tu pouvais pas... Toi, j'espère que t'envoies des messages à ta meuf souvent. Ouais, t'inquiète. Bah, c'est pas pour moi, je m'inquiète pas, t'inquiète. Nous sommes sur SiteNet, donc un site a priori qui vend des places de concerts, de matchs de football, de spectacles. Enfin bref, on n'est pas là pour aller voir Jean-Marie Bigard. Nous, on est là pour aller voir le match Real Madrid-Manchester City, 8e de finale de Ligue des Champions. Oui, quand même, c'est pas n'importe quel match. Jusqu'ici, rien de très choquant. Voilà, Real Madrid-Manchester City. Donc, vous voyez les places, a priori, on serait derrière les cages. Ce qui n'est pas trop mal au niveau de la vue à Bernabéu. Vous voyez le prix des places, donc 500 euros, tac tac. Sauf que les places n'ont toujours pas été envoyées et nous sommes le jour du match, il est déjà 15h. On aurait dû les recevoir a priori la veille, c'est-à-dire hier. Sauf qu'hier j'ai reçu un mail qui nous disait qu'on les recevrait que demain et au max à 19h. Donc 19h alors que le match est à 21h, ça me plaît pas trop, tu vois. Et donc là on est dans l'attente, on sait vraiment pas. Donc si on rentre pas dans le stade, bah voilà, bizarre.
Mais ça fait chier parce que moi, comment je fais maintenant? Comment je peux aller acheter d'autres places alors que le match est dans 4 heures, sachant que je sais même pas si je vais être remboursé ou je vais recevoir les places. Enfin bref, c'est la merde. Non, tout ça pour vous dire que voilà, tous ceux qui regardent les vidéos Tour du monde des stades, qui me demandent ouais, sur quel site t'achètes, sur quel site tu prends, machin, les gars, on n'est jamais à l'abri de rien. C'est-à-dire que sur n'importe quel site, vous pouvez très bien avoir une couille. Le meilleur moyen, c'est les sites officiels, mais les sites officiels, c'est pas toujours possible vu que les places. Soit sont réservés qu'aux socios, qu'aux abonnés des clubs, soit qui sortent, qui sont vendus trop vite et que tu peux pas les avoir. Après là, ce qui est vraiment problématique, c'est qu'on est quand même à l'étranger, on a pris l'avion, on s'est déplacé, c'est pas pour regarder le match dans un bar. Voilà, ça nous est arrivé une fois, on a déjà donné, ça va, on a assez rigolé. Là, on est sur un site officiel, on sait que ici, t'auras jamais de problème. Mais le truc, c'est que là, c'était très très compliqué d'avoir les places. Moi, j'ai pas réussi à choper de place. Tout le long du mois, j'ai pas réussi. Le seul moyen, c'est d'en acheter peut-être en VIP. 800 euros la place, 750. Après, 1900 euros, je crois. Attends, il y a des conditions, tu dois te faire sucer quelque part, non? Il n'y a pas service exclusif de restauration et d'hôtesse à l'hôtel. Voilà, ça doit être... Ah, ça, bah, c'est ça. Bon. R-2. Avant de recevoir les fameuses places. Les fameuses places qui devraient arriver tôt ou tard, hein, normalement. Bizarre. Quand il tire un pénalty. Tu roules en quoi dans la vie toi? Pas le Corsa hein. Ah ou pas le Corsa, elle rentre pas là. Elle rentre pas du tout là. Elle rentre pas dans ce parking. C'est refusé. C'est pas possible, ça marche pas. Non, c'est la prochaine ça. Celle-là c'est la prochaine. J'espère qu'il y a une garantie sur le maillot d'Hazard. Hein. Le mec qui l'a acheté, il est pas bénef. Hein. Le Nueve. On mise tout sur lui. D'ailleurs il vient d'ouvrir sa chaîne YouTube, c'est un poteau, abonnez-vous, il a besoin de ce fort. C'est un collègue. C'est un collègue. Ouais, quand il va prendre un carton rouge ce soir, tu lui canneras moins toi. Crampon dédicacé de Lucas Vasquez. Ça coûte combien sur le bon coin? Ça va pas très cher hein. 35 balles max. Nous dans le stade, on sera environ. Alors je crois que c'est là. Ouais, vraiment là, là. C'est porte, voilà, là. Bon, ça va, on entend au moins. On va entendre les buts. On va entendre le but. S'il y a 0-0, ça fait chier par contre. Ouais, mais 30 balles, prends le direct en plus. T'aimes pas les puzzles? C'est lourd hein. Franchement, t'as plein. Prends-le, 30 balles. Vas-y, je te l'offre. C'est quoi, je te l'offre. Vas-y. Vas-y, le temps de le faire, j'aurai 40 piges. Ah, 25 balles, t'as que le bus. Ah, bah, autant acheter le stade. Moi, je préférais qu'ils nous vendent le bus de l'équipe de France en 2010. Ça vaut beaucoup plus cher que 30 balles, je pense. Il y aura tout le monde dedans. Ah, ouais. Bon, les gars, le puzzle, c'est bien. Mais j'ai trouvé ce que je vais vraiment acheter dans cette boutique. Et vraiment un truc qui va plaire à tout le monde. Une écharpe, c'est bien. Une écharpe, c'est bien. Une casquette, c'est bien. Ça, là. Ça. Ça, ça c'est lourd. Areola. Par contre, l'échange Areola Navas, ça c'est le plus grand braquage de l'histoire du foot. Hein. Clairement. Bon, les amis, nous rentrons à l'hôtel. C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit. Si on reçoit pas d'email, c'est la dernière fois qu'on voit ce fichu stade. Ah, regarde, il y a Vinicius ce soir. Titulaire sur l'aile droite. L'horloge tourne, les minutes sont torrides. J'ai déjà fait une fois, je veux plus jamais. J'ai dit plus jamais, je me fais recaler devant un stade à mon âge. Ça, les gars, ils ont toujours pas envoyé les places. Il est 18h, je commence à voir flou. Il commence à faire des conneries. Il va faire une dinguerie. En vrai, c'est pas une dinguerie. C'est une dinguerie. On va être bien placé, on va manger, il y aura des hôtesses. Les amis, il est 20h, c'est ça? 19h50. Exactement. Le bus des joueurs va arriver. Nous, on veut courir. On veut attraper Sergio Ramos. On veut sauter dans le bus. C'est qui est au fond du bus au Real, tu penses? Benzema. Une grosse racle, là. Benzema, c'est sûr, il est au fond du bus pour moi. Hein. De tous les stades que j'ai fait, j'en ai pas fait énormément, mais jusqu'à présent, Santiago c'est mon stade préféré. Je suis pas madrilène, mais je sais pas, il y a un truc spécial qui se passe avec ce stade, l'ambiance, l'architecture, la structure, tout ça. Vraiment, Santiago Bernabéu, je vous le conseille. Bon, on vous parlait qu'on allait peut-être se faire douiller, on s'est fait douiller, on n'a pas reçu les places du site de charlatan SiteNets. Du coup, les gars, n'allez jamais sur ce site, surtout parce que je me suis fait niquer. Il y a un abonné à moi aussi qui s'est fait niquer. Du coup, n'y allez surtout pas, c'est de la couille, hein, clairement. Si j'ai pas reçu mes places, en plus j'ai payé 500 euros, finalement on n'a rien reçu, j'étais obligé de payer des places encore. Et bref, on oublie, mais en tout cas les gars, vous faites pas avoir sur ce site. Et bon, viens, on va choper le bus, frère. Péfut, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je mange du saumon, frère. Mais, tu vois pas...
Est-ce que toi aussi tu fais partie des abonnés de PFUT qui lui lâchent des PFUT, refais des vidéos FIFA. Ouais, refais des. Parce que là tout de suite on peut se régler toi et moi. Refais et des packs opening PFUT. Oh, voilà. À cause de ce site de charlatan, je me retrouve dans des VIP. Enfin, on va dire que je fais le mec. Oh, ça va s'envoyer à la cantine. Voilà. Tu vois la cantine. Tiens, une petite ligue des champions là. Oh. Il y en a 13 des comme ça. Hein. Mais comment? Faites attention. Ah ouais, attention, elle est précieuse. Regardez-le lui. Lui, il profite. Hein. Il est pas à sa place ici. Mais pas, je suis le seul rebeu ici. Hein. Ouais, je me sens différent. Je te jure. Ouais, muy bueno, mais le chocolat c'est muy bueno, mais oui, c'est pas tous les jours que t'auras ça frérot, même à ton mariage t'auras pas ça. C'est bon. Franchement, au moins une fois dans ma vie, je pourrais dire, j'étais en loge, en VIP, Santiago Bernabéu. C'est pas négligeable en vrai. Tiens, coule là toi, n'hésite pas. Moi, coulance. Oui, n'hésite pas. Tu vois la définition de coulance. C'est exactement ça. Tu prends la fraise, tu prends le chocolat. Et tu t'envoies. Le drôle. Même le mec derrière toi il est content pour toi. Hein. J'espère que ma meuf verra pas la vidéo. Mais que des. Genre si t'es moche, tu travailles pas ici. C'est simple. T'es moche, tu travailles pas à Santiago Bernabéu. T'as pas le bac, tu passes bien. Je te jure, y'a rien à foutre. Incroyable. Gracias. Le Parc des Princes il est à 8 euros. Avec le hot dog, il y a une saucisse dedans. Et c'est pas elle qui te le sert. À la tienne. Merci. Merci qui? Merci PFUT Industrie. Franchement, ça pue la stabilité financière ici. C'est terrible. Hola. Goûte-toi. Envoie-toi. Je vais goûter. This is... Salsa e agridulce. Ah, salsa e agridulce. Gracias. Elle s'envoie, je pense. Entre deux, trois amuse-gueule, je vois le gros crâne d'Otamendi. Ah, je peux vous dire ici que des PDG, hein. Que des chefs d'affaires. Bon, on va rentrer dans le stade, les gars. Faut profiter au max. Ça va être une belle soirée de football. Ça, dans une vie, c'est peut-être qu'une fois, donc faut profiter. Les gars, à un moment donné, il va falloir télécharger l'appli. Regardez où je suis. Regardez où je suis. Tu peux filmer autour de moi, s'il te plaît. Bon. Ça me dévisage, hein. Mais bon, on reste naturel. Ouais, je vais reprendre une fraise. Allez, c'est parti. Les gars. On est dans une salle, regardez les petits. Ils sont derrière du Real. Il n'y a pas conscience d'où il est là. Mais pour lui c'est normal ça. Limite il va se plaindre qu'il est mal placé. Mais on vient de rentrer dans une autre salle, ça s'arrête jamais. C'est une dinguerie. T'es mal, on peut aller. Le petit joue à FIFA, il se rend pas compte. I play with you? No? Okay. No? Je vais fumer, vas-y tiens. Il a pris le Real, je vais fumer. C'est malade. Mais faut enlever les trucs là. Oh, il est bien gaze. Appuie sur R3. Ouais, il est bien gaze. Appuie sur R3. Le petit il est bien gaze. Moi je vais le briser, il va même pas vouloir regarder si tirer. Film, il va y avoir un but. Bizarre. Messi, oh Cristiano. Messi. Messi. Tu vois, même les Madrilènes ils le savent. Mais Pete, Ronaldo, Messi. Messi, tu vois, il insiste. Ah ouais, il me regarde dans les yeux en plus. Hein. Les gars, je suis en loge à Santiago Bernabéu. Je tape des petits Madrilènes à FIFA. Sérieux. Mais vous voulez que je continue les vidéos FIFA? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Humilie-le pas, laisse-le gagner. Tu peux apercevoir à ta droite. Putain, mais ouais, mais l'ancienne Ligue des Champions. Fais pas d'effort. C'est encore une coupe que le PSG a pas gagné ça. Défends pas, touche pas, touche pas. J'essaie. Ouais. Putain, ouais, quel jeu d'acteur. Ouais. Ouais, non, oh, mais non, mais fais la face. Bon là je vais te punir parce que Emma, ce que j'ai fait, tu fais des dingueries comme ça. Allez, va jouer à Fortnite. L'homme sans cœur. T'as beau avoir 1 an ou 11 ans, c'est le même temps. Il va jouer sérieusement. Là, faut qu'on te fait des efforts, ah, mon petit. Là, fais un effort aussi. Ah, oh, t'abuses. Non. T'es mort. Adios. Voilà. Oh, il y a des paquets partout, c'est n'importe quoi. Oh, il n'y a pas une meuf. Non, mais c'est vrai, il faut dire le... Dis le terme, il n'y a pas une meuf moche. Oh, il y a une meuf, elle est venue me parler. Déjà, en espagnol, je bégaye, mais là, j'ai vu sa tête, j'ai bégayé deux fois plus. Arrête de te faire remarquer, toi!
pelouse comme ça, tu te dis même t'es nul au foot, tu peux que être fort. Bon joué Benjamin Mendy, merci. Palmarès de Benjamin Mendy, je sais faire le signe du jeu. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Lui il y a une coupe du monde lui hein. Lui c'est quelqu'un hein. Bah ouais, ouais. Je sais pas que tu vas le garder aussi longtemps qu'un bracelet quand tu vas au camping. Ah totalement. Tu vas dormir avec. Ouais. Non mangez-le mais... Bon il a fait de la vie. Il a fait du Matuidi là. Et merci. Aga, De Bruyne il est trop fort. Attention. C'est pour ça que t'as vu l'année prochaine City, plus en Ligue des Champions, tout le moment le PSG il faut venir De Bruyne. Ça, ça nous manque ça. Un mec comme ça là. Est-ce qu'on va se faire sortir en 8ème encore? Oui, mais ça avec nous manque Bruyne, quand même. Oui, oui. Mais ça nous manque quand même. Merci. 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 Carton, merci. Carton et merci. Oh, en mode on joue au stade de la licorne pour que la pelouse elle glisse. Il me gueule ou quoi? La pelouse elle est... La pelouse elle est parfaite. Putain, il y avait but là normalement. Oh bizarre, but de Lyon. Bizarre. Touzard, oh bizarre. Le grand Touzard. Eh mon nul mi-temps ça commence à sentir bon là, faut que ça tienne encore. Quand tu mises un nul mi-temps ça, ce qui se passe là, c'est génial. Alors franchement je pense que là ils auraient pu en planter au moins un en première. C'est dommage, parce que j'ai peur que City se réveille en deuxième. Oh, il aime trop ça lui. Toi j'ai gagné au moins 4-5 minutes. Lui il a joué nul mi-temps je t'ai dit. Tac, tic, tac. Tiempo añadido, 2 minutes. 2 minutos, ce qui veut dire? Added time, 2 minutes. 3, 2, 3. On ouvre les yeux, hein. On peut aller très vite. Hein. Non, non. Oh là 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 là. Oh là là, il a sauvé sur ça. Oh là 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 là. C'est Charbaral, non? Je crois que c'est Charbaral. Oh là là. Et allez, nul mi-temps, merci, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud, mais c'est encore meilleur. Demande à Pépé, il va dé. Nul mi-temps, hein. Il marque quoi? Ça va être vert là, non? Bah, je sais pas. Attends, il va tirer. Ah, bah, c'est bon. Ah, c'est bon, les gens, ils vont la buer. Ah, bah. Bah, nous aussi, bah, nous aussi. Bah, nous aussi, allez. C'est ici pour acheter des hot dogs tout là ou quoi? C'est comme ici. Ah ouais? C'est... Ça a l'air un peu trop bizarre, ils ont tous des costards. Ah, tu veux pas la buvette? Ouais, la buvette. Oh, c'est en bas, ça, c'est pour les losers. Ouais, oh, là, par contre, j'ai faim, mon frère. Je te jure, je vais m'envoyer. Qu'est-ce que c'est trop bon, la vie d'artiste. Oh, quand le meilleur moment du match, c'est la mi-temps, c'est que vraiment, t'es pas placé comme d'habitude. Oh, mon frère, on a même pas le temps de manger tranquille. On voit, le match, il a déjà repris. Ça rouvre. Bon, allez. Ah, non, deviens pas rose, toi. Calme-toi. Ouais. Mais bon. Oh, il y a qui va mettre. Alors, est-ce qu'il a le teint rouge? C'est ça la question. Il est un peu rougeâtre, hein. Pas bon, c'est un pénalty sur les fenêtres. Ouais, il fait quoi là? T'as pas vu, il a fait quoi? Ouais, on a boité de ouf. Ah, déjà, commence à contrôler tes mains. Aïe 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 aïe, Mahrez, assassin. Super! Totalement le coup. Le coup. Allez les gars, allez chercher le deuxième. 1-0 ça suffit pas. Allez, faut pousser. Ramos. Y entra con el 7 Sterling. Finitio. Quand il y avait les scots et à des bailleurs, ça sentait moins fort.
pas fermé, arrêtez. Non. Oh. Oh non. Je débarque de marche arrière, je ne pourrais donc pas reculer. La voix de mes pères, de mes grands frères me dit tu l'es, tu l'es, tu l'es, tu l'es, tu l'es. Oh, quand il va prendre un carton rouge ce soir, tu ricaneras moins toi. Ok, il va prendre un carton rouge ce soir, tu ricaneras moins toi. Bon allez, à table. À table. Les macarons de réconfort. Pour moi, le Real méritait pas de perdre ce soir. Après, City, ils ont eu un temps fort 15 minutes. Ils ont mis un but, un péno. Je sais pas s'il y a eu ici un péno, j'ai pas. C'est compliqué en direct. Ouais, je pense Carvara, il l'a découvert. Mais Carvara, il est con, frère. Madrid dans la sauce chocolat, vraiment. Dans la sauce. Ça va être compliqué le retour. Hein. Ramos absent. Deux buts à l'extérieur. Bon, toi, je vois t'es fâché. Hein. Deux matchs au Bernabéu. Hein? Hein? T'as dit quoi? Ah, tu vas faire semblant de me filmer. Ouais, t'es filmé toi, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Tu zoomeras sur la blonde derrière moi. Ouais, ouais. PFUT, le chat noir du Bernabéu, le chat noir du Real Madrid. À chaque fois qu'il vient au stade, le Real perd. Mais bon, c'est le foot, c'est la vie, hein. Malheureusement, on peut pas toujours gagner. T'en as gagné 13, bâtard. 12, c'est 13, 14, c'est ça, 13? 13. Ah, ça y est, 13. On se repose en ce moment. Y'en a marre. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était lourd. Merci, merci à PFU de Prono d'avoir invité ce jeune homme. Merci. J'espère qu'il a kiffé son moment au moins. Et likez la vidéo si vous voulez d'autres stades, d'autres ambiances, d'autres régions, d'autres dingueries. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et peace, comme le Real Peace. Peace le Real Peace.